Chers compatriotes, nous voici au soir du 11 avril 2021 dans ma terre natale. Nous venons de démontrer, de confirmer notre leadership. Comme on le dit, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. En attendant la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, nous pouvons vous dire ce soir que dans toute la commune de Soava, le constat est généralisé. Par exemple, dans mon bureau de vote, nous avions fait un taux de participation de 100% là où j'ai voté. Dans tout Sochanwe, ou dans une vingtaine de bureaux de vote que nous avions parcourus, le taux de participation est plus de 95% et 98% au profit de notre candidat, le Dio TTT. Nous l'avions proclamé. Nous avions été les concepteurs du chaos de plus de 95%. Et ce que nous avions observé aujourd'hui dans la commune de Soava ce soir, c'est un chaos sévère. Nous avions quitté le chaos retentissant à un chaos très sévère. Tout le monde a voté à Soava. Toute la population de Soava est sortie pour voter parce que toutes les grandes forces ont montré leurs limites pendant les deux dernières élections. Et ce soir, avec l'avènement de Fasika et les forces, les jeunes dynamiques, leaders, avec les complicités, nous avions fait ce score vraiment historique. L'histoire va retenir que la commune de Soava a fait un chaos méchant, un chaos sévère. Et que toute la commune de Soava, tout est mobilisé derrière notre leader, le président Patrice Talon. Donc, la fête continue. Nous avions devancé notre leader, le président Patrice Talon, en danse salsa, en attendant la proclamation de la Sénat de la Cour constitutionnelle, où nous attendons la danse salsa de notre président. Mais nous aussi, nous nous réjouissons ce soir de ce score. Jamais, nous n'avions jamais eu ce score dans l'histoire politique de notre commune. Donc, Talon fait l'unanimité à Soava, dans notre terre natale. Nous venons de le prouver, nous venons de le démontrer. Et vous aurez aussi les autres tendances. Nous allons aussi joindre nos militants des autres communes. Je crois fermement, le constat est partout. Le mot d'ordre de Fasika est suivi. Nous remercions Dieu et je remercie également la jeunesse de Soava et la jeunesse béninoise ayant compris le message, ayant accepté, ayant opté pour le renouvellement de la classe politique, ayant compris que le président Patrice Talon, c'est un développeur. Ayant compris que le président Patrice Talon, c'est l'homme qu'il faut pour le décollage. C'est l'homme qu'il faut pour le développement du Bénin. C'est l'homme qu'il faut pour avoir 100% de l'eau potable. C'est l'homme qu'il faut pour la fourniture d'électricité. C'est l'homme qu'il faut pour les infrastructures routières. C'est l'homme qu'il faut pour l'auto-emploi de la jeunesse. C'est l'homme qu'il faut pour la jeunesse. C'est l'homme qu'il faut pour éradiquer la pauvreté. Et c'est ça que nous avions prouvé à Soava et ceci dans les autres communes. Je vous remercie. Je vais permettre aux autres leaders aussi. Il faut avouer la densité du coordonnateur national de Fasika en la personne de l'imam Chakiroua Moussou qui est descendu sur le terrain. Tous les fils et filles de Sochanwe sont unis pour supporter le duo Talon Talata et c'est ça qui a donné le score que nous avons. Ce score, c'est de l'inédit. Nous n'avons jamais eu ce score à Sochanwe. Et je crois que les 8 villages de Sochanwe se sont mobilisés, tout comme les autres dans l'arrondissement de Veki, qui est le plus grand arrondissement, donnera un score vraiment grave. Et nous remercions davantage le coordonnateur de Fasika. Ses actions sont au-delà des leaders, des dignitaires du parti d'un certain rang. Et je crois que ce mouvement est à féliciter, c'est à féliciter et encourager. Nous avons vu que le résultat, elle est vraiment probant. Et
et nous avons l'honnêteté de reconnaître ce que chacun a fait. Il faut le lui reconnaître. Fasika n'a pas fait piètre figure durant cette élection présidentielle. L'histoire retiendra que les fils de Sotiankwe ont fait ce grave score-là. Et l'histoire retiendra que le chef de l'État est vraiment chanceux. C'est l'homme qu'il faut pour le développement de Soava, pour le développement de la 6e circonscription électorale, pour le développement du département de l'Atlantique et de tout le Bénin. Oh, my God.